Triotasis, il s'est créé du désir que nous avons eu de se retrouver au sein d'une formation intime et proche. Avec Carmela et Émilie, on se connaît depuis plus de 10 ans. On a partagé beaucoup de concerts, d'enregistrements. On s'est retrouvés sur les routes des festivals au sein de nombreux projets. Et aujourd'hui, on voulait partager un bout de chemin musical ensemble. Nous nous sommes connus à travers le tango. C'est réellement notre langage commun et le point de départ de nos rencontres. Dans ce trio, il se trouve que Mathias est la plume. Il y a des références assez évidentes à la musique classique du début du XXe siècle, à Bartok, à Stravinsky. Il y a une forme d'hybridation, de fusion de plusieurs univers. Chose qui nous intéresse, c'est le rapport au phrasé chanté. Comment est-ce qu'on va recréer cette voix ou cette prosodie, se parler avec les instruments? Et c'est quelque chose qui est très présent dans le tango, mais qu'on retrouve évidemment dans la chanson française, dans la chanson espagnole. C'est quelque chose qu'on aime se réapproprier et expérimenter, justement. C'est une formation qui n'existe pas traditionnellement, à mi-chemin entre des formations très typiques du tango et des formations de musique de chambre. Il y a des échanges de rôles, des interactions en fait, qui sont passionnantes, hyper intéressantes à faire sonner et puis à explorer en tant que formation inédite. Ça crée une musique qui est vraiment passionnante parce qu'elle est au carrefour de beaucoup de choses. Tout d'abord, le tango, qui est notre langage commun. La musique classique de certains rythmes latino-américains. Le jazz, la chanson française et la musique contemporaine. Tout est permis, en tout cas avec le Triotasis.